Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le démontage et le nettoyage de ma Cricut Custom Silence fabrication maison. Donc premièrement je vais enlever la lunette. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'une clé Allen. Voilà. Pour pouvoir accéder à la vis de maintien du canon, du faux canon. Donc une fois que j'ai dévissé la vis, je peux enlever le canon. Je dépose le faux canon. Donc nous avons la carabine qui a un canon qui fait 27 cm et le canon contenant le silencieux lui fait 54 cm. Voilà. Donc, pour nettoyer le canon, rien de plus classique. Donc, pour nettoyer le canon, rien de plus classique, on commence par enlever le chargeur avec les os. On appuie sur le détendant pour extraire les os. C'est le gardien, bien sûr. Avec la carabine prête à nettoyer. Donc ici on voit l'insert métallique que j'ai rajouté dans la hausse pour pouvoir maintenir le canon. Ici l'insert métallique avec la petite vis qui maintient le canon. Donc la partie carabine est normale, le nettoyage est fait. Donc ça a été simple, ça a été un coup d'écouvillon et un coup de brosse avec un laine avec de l'huile. Bon, pour la culasse, c'est relativement simple, puisque bon, elle n'a pas beaucoup servi. Donc ici, on va lui mettre un petit coup de double carreau. On nettoie la culasse. Et ensuite, on la remet en place. On met le chargeur en place. Rien de spécial. Ouais. Un petit coup de chiffon sur les poches. Et on peut ranger la carabine. Bon. Alors nous allons passer à la partie la plus importante, c'est-à-dire nettoyer les composantes. Donc, la petite vis de fixation pour pas perdre, je l'ai mise dans le bouchon. Les composants du silencieux. Du silencieux même. Pour nettoyer le faux canon, je mets un peu double carreau. Un peu de papier. Je reprends la tige de nettoyage de la main de l'oreille. Le tube est nettoyé. Donc,
La partie silencieuse se compose de 4 ressorts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bouchons en laiton percés à 6,5 mm. Donc maintenant, on va les nettoyer. On va aller carrément les mettre dans les bénis dans l'acétone. Donc ce sont les rasseurs. Non. Non. Ouais, non, ça c'est ça, c'est ça. Les résidus de poudre sont étant secs, ils sont ainsi gestés. L'acétone, elle va enlever les cordons et permettre la... Donc je précise qu'il faut faire ça dans un local ventilé. Donc ça, ça ressemble un peu à la cuisine. Donc cette technique de nettoyage, ça s'appelle la technique par la fontaine, c'est utilisé en mécanique pour nettoyer les pièces mécaniques. Bon, ça se fait avec de l'essence, bon, on n'a pas d'essence commune, donc j'utilise l'acétone. Bon. Ce que je conseille, c'est une petite brosse métallique. Pression à faire, hein. Donc, on peut enlever le dépôt de plomb, ou la poussière de poudre. Un petit coup de double 40 pour lubrifier tout le monde. Un petit coup aussi en canon. Et on remet les ressorts. Non, ça sort les boutons. Oui, bien. Oui.
Tiens, bouge pas en premier. Une fois que j'ai fait, on prend la carabine et on en mange le canon. Petit conseil, moi je vide un peu le canon pour faciliter. D'accord. Bon, autrement, j'ai sur le bout du canon là, j'ai effectué un alésage léger pour permettre un meilleur passage de balle au moment du tir. Donc, j'améliore un peu le temps. Je remets la vis. Donc j'ai remis la vis en place et je n'ai plus qu'à remettre la lunette. Bon, je remets la lunette en place. Donc je resserre. Donc dans cette vidéo, vous avez vu que cette tricot est effectivement bien une tricot custom silence mais fabrication maison, donc qui a été réalisée un peu par accident, puisque bon, j'avais acheté cette carabine sur un site d'achat par correspondance d'armes, qui s'appelle Nature Bay, et j'avais eu affaire à ce qui arrive parfois, un margoulin, c'est-à-dire une personne qui vous vend une arme qui a été bricolée, enfin bricolée, là, qui avait été sabotée, puisqu'elle avait un canon de 25 cm, et pour cacher ce fait, il avait mis un tube de cuivre par-dessus, qu'il avait peint en noir. Et sur la photo de l'annonce, la carabine avait l'air tout à fait normale. Quand j'ai reçu, j'ai eu le désappointement de voir qu'il manquait une bonne trentaine de centimètres au canon, et donc c'était dommageable. Donc j'ai eu l'idée d'en faire, comme le canon, c'était un tube de cuivre, donc j'ai soudé un bouchon sur le bout, que j'ai percé, et j'ai mis 7 bouchons en laiton d'un diamètre inférieur. Donc 7 bouchons en laiton d'un diamètre inférieur, au tube d'origine. Donc le tube c'est le 17, j'ai mis des bouchons de 14 ou 15 que j'ai percé en 6,5 mm, sachant que le 22 long est 5,5 pour avoir une marge d'erreur suffisante pour que la balle passe en. Pour s'assurer du bon maintien des spaceurs, enfin
les bouchons en laiton, j'ai mis 4 ressorts qui maintiennent les bouchons en place et font des chicanes supplémentaires pour le silencieux. Voilà. Donc c'est une arme relativement silencieuse. Bon, un peu moins que celle du commerce, il faut l'avouer. Parce qu'il m'aurait fallu un tube. Enfin, il aurait fallu j'installe un tube beaucoup plus gros, des alvéoles plus grosses pour bien modifier, pour bien atténuer le son. Mais ça fonctionne. Ça a son petit charme. Autrement, malgré que le canon est coupé à 25 cm, le fait que j'ai fait un petit alésage dans le bout permet à la sortie du canon d'être beaucoup plus stable. Et donc, résultat des courses, c'est une arme assez précise malgré tout. Voilà. Donc, c'est pour du tir récréatif. Et c'est une bonne petite carabine que j'avais eu pour un prix raisonnable. Donc, je la conserve pour moi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir.